Vous venez avec nous. Nous avons besoin de toute l'aide possible. Quoi? Non, je... Une chose est sûre, Brielle, vous pouvez faire la différence. Votre rayon de ressources est précieux. Eh bien, je suppose que je pourrais. Pour un temps. Alors allons-y. Kai, tu es prête? À 100%. You are my moonrise, my only moonrise. You make me happy when stars are grey. Thank you.
C'est Corel, pas ta cat. Mais au moins, c'est un pas dans la bonne direction. Bon sang, rien ne marche ici. Magnifique. Tu as un régal pour les yeux avec cette navette, Zekara. Comment l'as-tu obtenue? Je suis vraiment content que tu sois là pour aider. Désolé, colonel Risler. J'étais prisonnière des aliens. J'ai trouvé des collègues qui peuvent nous aider à nous défendre contre les envahisseurs. Vraiment, je suis si content que tu aies réussi. Ça aurait pu se passer autrement. Une autre IA locale. Soyez sympa. Elle a peut-être des renseignements pour nous. Celle-ci semble presque normale et intacte. Elle est peut-être restée concentrée sur la mission. Quoi? Zekara? Quand es-tu arrivée ici? Comment as-tu pu nous laisser quand nous avions besoin de toi? Tu es une traîtresse et un exemple de médiocrité pour une IA. À l'attaque. Alien à la porte. Attaquons-les, commandant. Que vous soyez là pour aider. J'ai vu un mastodonte et un écraseur. Dites-moi en plus sur ces types de gros aliens. Voyons. Non, rien. Chose de la ville ici. Juste quelques habitations. Et pas assez de place pour installer nos passagers. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une autre planète où des aliens doivent être battus, pas vrai, commandant? C'est ça? C'est ça. On m'a donné le nom de ma sœur. Cela semble invraisemblable. Dites-moi, quel était votre grade avant de devenir une IA? Grade? Je n'étais pas dans l'armée, j'étais cordonnier. Cordonnier? Ou peut-être un colonel, l'un ou l'autre.
désolé. Je ne suis plus le même depuis que les aliens sont arrivés. Oui, ça arrive souvent ces derniers temps. Allons-y avec Colonel pour l'instant. Parfait. J'ai toujours eu l'impression que je devais être un colonel. Peut-être parce que j'en étais un. Matin et l'après-midi. Et le soir, c'est bon aussi, maintenant que j'y pense. Et la nuit, sans aucun doute, la nuit. Thank you.
Ils sont fichus, commandant. Bien menés, comme d'habitude. Pour une fois, je suis presque gêné d'admettre que j'ai pris mon pied en tuant toutes ces saloperies. Il n'est pas question de ça. Nos passagers, c'est tout ce qui compte. L'humanité. Eh bien, chacun trouve ses plaisirs où il peut. Je ne peux pas manger, je ne peux pas boire, mais je peux tuer des aliens. Bon, tant qu'on est sur la même longueur d'onde, trouvez un endroit sécuritaire pour nos passagers. C'est ce qui vient toujours en premier, n'est-ce pas? Absolument. Corel est une grande planète. Il y a peut-être des zones moins touchées. Je vais partir en reconnaissance. Pendant ce temps, si vous voulez, je peux aider à transformer le laser orbital en explosion temporelle capable de ralentir tous les aliens qu'il touche pour un certain temps. Ça nous aiderait beaucoup. Zakara, je voulais te dire, quand nous discutions plus tôt... J'irai explorer le côté éloigné de la planète. Les aliens vont certainement trouver notre trace bientôt. J'espère bien. Allez, commandant, au suivant. Vous en êtes revenu sain et sauf à ce que je vois. Brillant! Amélioration temporaire des dégâts de tourelle. Je suis prêt, le commandant est prêt. Tuons-les tous. Fletcher, notre priorité, c'est de sécuriser un périmètre pour nos passagers, pas de tuer des aliens. L'un ne va pas sans l'autre, Simon. Et il n'y a pas de mal à aimer son travail. Tu vas bien, Fletcher? Ça ne te ressemble pas. On ne peut mieux, Simon. N'aie pas peur, mon code reste résolument intact. Je peux me porter garante de Fletcher. Il est génial. Par contre, l'environnement ici, c'est tout le contraire. Les aliens ont fait beaucoup de tort à l'environnement de Corel. Il ne doit pas y avoir grand-chose que nous puissions faire ici. On peut les renvoyer d'où ils viennent, Zakara. En avant! Je suis prêt, le commandant est prêt. Tuons-les tous. Fletcher, notre priorité, c'est de sécuriser un périmètre pour nos passagers, pas de tuer des aliens. L'un ne va pas sans l'autre, Simon. Et il n'y a pas de mal à aimer son travail. Je suis prêt, le commandant est prêt.
Tuons-les tous. Fletcher, notre priorité, c'est de sécuriser un périmètre pour nos passagers, pas de tuer des aliens. L'un ne va pas sans l'autre, Simon. Et il n'y a pas de mal à aimer son travail. Tu vas bien, Fletcher? Ça ne te ressemble pas. On ne peut mieux, Simon. N'aie pas peur, mon code reste résolument intact. Je peux me porter garante de Fletcher. Il est génial. Par contre, l'environnement ici, c'est tout le contraire. Les aliens ont fait beaucoup de tort à l'environnement de Corel. Il ne doit pas y avoir grand-chose que nous puissions faire ici. On peut les renvoyer d'où ils viennent, Zakara. En avant! Mauvaise nouvelle. Je détecte des aliens de type chercheur et tortue. Mon Dieu. Ils vont tous amener leur propre mini-armée. Nous devons rester vigilants. Effectivement. Nous devons concentrer nos attaques sur eux. Je sais que tu n'es pas en état de parler de ça, mais il n'y a personne d'autre. Compte sur moi. Je vais bien. Je ne pourrai... Kai, tu n'as pas l'air d'aller bien. Je pense que ce qui lui arrive, c'est... On dirait que quelque chose perturbe leur communication. Peut-être aussi leur capacité cognitive. Zakara, êtes-vous ? Je ne ressens absolument pas d'effet néfaste. Ça ne m'a pas affecté. Je suis toujours à 149% super craquante. Tu penses que cette planète les affecte? Ou est-ce que c'est un nouveau type d'arme alien? Je n'ai pas assez de données pour tirer une conclusion, j'en ai peur. On peut cependant émettre l'hypothèse selon laquelle les aliens endommageraient l'IA pour prendre le dessus au combat. Ce sera logique.
sont ce qu'elles sont. Nous sommes toujours une excellente équipe, commandant. Merci, général Fletcher. Ce que je voulais dire, c'est que le commandant... Oh, oublie ça. Peut-être que si on l'ignore, il s'en ira. Pour terminer la sucette à la framboise, on a besoin d'une résonance de Schumann de 7,83 Hz. Le docteur Beric l'a confirmé. Je sais que je ne devrais pas rire, mais c'est trop drôle. Nous pourrons trouver un moyen de réparer nos collègues plus tard. Colonel Risler, dites-moi plus à propos de cette sucette à la framboise. Vous ne prenez pas ça au sérieux. Je le dois. C'est peut-être une coïncidence, mais manger des framboises est un de mes plus vieux souvenirs. Risler, continuez avec cette sucette. Sucette? Ne soyez pas ridicule. Le monde est en guerre et vous voulez parler de bonbons? Vous avez dit quelque chose à propos des résonances de Schumann, colonel Risler. Tu crois vraiment qu'il y a un lien? Je ne sais pas, mais pouvons-nous nous permettre de prendre le risque? Je me rappelle que les données sur les résonances de Schumann ont récemment été consultées sur mon module mémoriel, mais je ne sais pas pourquoi. Nous savons que les aliens ont corrompu ou capturé les mémoires des IA. Ça explique peut-être pourquoi le colonel Risler ne se souvient pas de l'entrée des résonances de Schumann. Et si c'est le cas... Alors ces données pourraient être ce que les aliens recherchent. En effet. Attention, ça approche! Nous sommes preneurs. Savez-vous où cette sucette se trouve, ou même ce dont il est question? Ils ne me l'ont jamais dit. À moi non plus. Mais bon, je ne connais pas beaucoup d'aliens. Vous pourchassez une théorie infondée, Fletcher. Peut-être, mais c'est tout ce que nous avons.
À quoi ressembliez-vous lorsque vous étiez vivante? Je suis vivante. Les IA ne sont pas vraiment... Oubliez ça. Qu'étiez-vous avant d'être téléchargée? Je pourrais vous expliquer, mais est-ce vraiment important? Pas nécessairement. J'entretiens juste la conversation. Pourquoi faites-vous cela? Ah, c'est une excellente question. Quelqu'un a de l'insecticide? Les tueront où qu'ils soient. Missile qui peut les frapper là où ils sont. Thank you.
dirais que ce soit la fin pour eux, commandant. Comme d'habitude, bien joué. Bon, maintenant, nous devons nous concerter sur les framboises et les résonances de Schumann. Zakara, une idée sur la question ? Je n'ai jamais entendu parler de ces choses. Je suis certaine qu'on ne devrait pas perdre ne serait-ce qu'une seconde là-dessus, alors qu'il y a tant à faire. Vous croyez que j'ai perdu la boule ? Je pense que vous devriez vous concentrer. Je suis très concentré. Demandez au commandant. Alors je pense que nous devrions nous concentrer sur un moyen de nous rendre à Takat. Votre monde d'origine ? Nous avons beaucoup de scientifiques et d'érudits qui peuvent nous assister pour ériger des défenses adéquates contre les aliens. C'est ce que je faisais lorsque je me suis fait enlever. On peut même aider Fletcher à faire ses recherches sur cette théorie de la résonance des framboises. Vous n'y croyez pas vraiment, pas vrai ? Pourquoi ça ? Commandant, avec votre permission, continuons. C'est bon de vous voir nous rejoindre dans la bataille, Zakara. Pas si bon. Votre voyage de reconnaissance dans le réseau de Corel vous a pris plus de temps que prévu. Mes excuses. J'ai noté des tactiques aliens, j'ai évalué les villes et les zones de combat, puis j'ai essayé de voir quelles autres infos je pouvais apprendre de Rissler. Pas très concluant, je le crains. La ville semble avoir des murs plus hauts que tout ce que j'ai pu voir auparavant. Peut-être, mais ce ne sera pas assez. Ça n'a aucun sens. On peut faire la différence. Commandant, ennemi en approche.
Brielle, vous souvenez-vous de quelque chose à propos de framboises, n'importe quoi? Je sais que ça semble fou, mais si nous avons des souvenirs en commun, cela pourrait signifier quelque chose. Non, désolée. J'aimerais pourtant. Rien? Non. Je suis la seule à détenir de telles informations de niveau 7 sur l'invasion alien. Et comme cela ne s'est pas encore passé... Ça s'est passé. En fait, maintenant serait le bon moment pour divulguer ce genre d'informations. À quel propos? Les framboises. Pourquoi parlez-vous de nourriture alors que nous sommes en guerre? Brielle! Fletcher, il se passe quelque chose avec Zakara. Je suis d'accord, elle est peut-être un peu... difficile, mais je pense qu'elle a les idées bien en place. Ne te force-t-elle pas à modifier tes plans? Si, elle veut que nous retournions chez elle. Mais elle nous aide aussi à tuer des aliens et à sauver l'humanité. Seront vaincus, nous devrions nous pencher sur les souvenirs de framboises. Je crois qu'ils sont la clé de... Quoi? Quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais ça ne peut pas être une coïncidence. Cela pourrait l'être, puisque c'est la définition du mot coïncidence. Maintenant, le général Kai est la plus sensée. Pouvons-nous nous concentrer sur le problème du jour? Vous voyez cet alien portant un bouclier? On dirait qu'il fait tomber un bouclier là où il meurt, et ce bouclier protège les aliens qui passent dessus. Je les ai déjà vus avant. Ils sont très bons pour protéger les autres aliens. Alors détruisons-les. On met les framboises de côté, pour l'instant.
qu'un seul truc. L'obfuscation. Ce qui n'est pas drôle à dire, c'est vrai, mais... c'est pas grave. Détruisez-les. Toujours. Excellent travail, commandant. Pas facile, mais on n'a rien sans rien. Quand pourrons-nous partir pour Takat? Nous devons faire ce qui est le mieux pour nos passagers, Sakara. Vous le savez. Simon, la planète que nous sauvons en premier n'a pas d'importance. Elles ont toutes de la valeur, et la solution à l'énigme des framboises peut être n'importe où. Je vote pour ça. Madjen est entre nous et Takat. Nous irons là d'abord. Nous devons nous concentrer sur la recherche d'un endroit pour nos passagers. Nous devons explorer Madjen avant d'aller sur Takat. Bonjour, content de vous revoir.